Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à ce live. Je suis le pasteur Yvon Mouquetou. Toujours très heureux de vous retrouver pour partager des moments ensemble dans la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Soyez bénis, vous qui nous rejoignez et qui, je suis sûr, allez partager ce programme. Comme nous avons l'habitude de dire, partagez à au moins 10 personnes autour de vous parce que quelqu'un a besoin de recevoir cette parole qui va nous aider à identifier les esprits de séduction et à les neutraliser, les mettre hors d'état de nuit. Merci pour vos retours hein, suite à, à ces deux premiers enseignements que nous avons faits. Aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin pour euh, dénoncer les œuvres des esprits de séduction et pouvoir donner les outils à chacun d'entre nous. Afin de les neutraliser, les mettre hors d'état de nuire. Amen. On va prier ensemble quelques instants. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité est là pour nous enseigner, pour nous instruire. Et je crois au nom de Jésus que les écailles tombent de nos yeux. Et nous recevons euh, le discernement, Seigneur, pour identifier l'activité spirituelle qui se passe autour de nous et neutraliser les esprits de séduction dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous gardes dans la vérité, sur le chemin de la vérité, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Partagez ce live parce que nous allons aller encore plus loin dans notre enseignement sur neutraliser les esprits de séduction. Et aujourd'hui, je vais parler de la séduction prophétique. La séduction prophétique, les esprits de séduction qui se déguisent en esprits prophétiques. Il y a beaucoup de dégâts dans la vie des croyants. Euh, à, à partir de, des fausses prophéties, à partir des erreurs prophétiques. Et donc, nous allons voir un peu euh, où est-ce que cela prend son origine. Nous allons le découvrir dans la parole de Dieu et nous allons euh, voir ensemble euh, comment nous pouvons y faire face. D'accord Alors, donc, la dernière fois, on a parlé déjà, c'est important de le rappeler, que quand on parle des esprits de séduction, la séduction elle est à la fois d'origine naturelle mais elle peut aussi avoir une origine spirituelle et ne vous méprenez pas euh, la bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les esprits méchants euh, dans les lieux célèbres vous comprenez il y a des esprits méchants il y a euh, nous vivons dans un monde qui est dominé par la puissance éternelle pour ceux qui ne connaissent pas dieu hein, ils sont des victimes de ces esprits-là mais pour nous qui connaissons dieu nous devons exercer notre autorité d'enfant de Dieu afin de ne pas donner l'avantage hein, ni à ces esprits, ni au diable, ni à quelqu'un, à, à, à quelque autre esprit qui voudrait euh, nous éloigner du plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Alors, aujourd'hui, on va regarder, on a dit que l'esprit de séduction, c'était l'esprit de l'antéchrist, hein, celui qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, c'est l'esprit du diable, hein, tout simplement. Hein. Le diable est appelé aussi le grand séducteur. Le séducteur des peuples, le séducteur des nations. Et nous le voyons dès le commencement euh, de la création. Nous le voyons dans Genèse chapitre 3. Et on va voir ce premier acte de séduction qu'il a mis en œuvre. Et vous savez, le diable utilise toujours les mêmes méthodes pour atteindre les mêmes objectifs, hein? c'est-à-dire nous faire sortir du plan merveilleux de Dieu pour notre vie et introduire des catastrophes dans nos vies et dans nos destinées. C'est pourquoi nous devons identifier les manœuvres de séduction et neutraliser ces manœuvres-là pour ne pas qu'elles nous entraînent. Dans Genèse chapitre 3, on voit donc euh, l'histoire de Adam et Ève dans le jardin, d'accord et euh, l'histoire de la séduction de la femme. On peut lire à partir du verset 1. Je vais faire des longues lectures pour qu'on comprenne les contextes. Hein, C'est quand même assez important. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit Sachez que quand on parle de ce que Dieu dit, on est dans le domaine du prophétique. D'accord quand on parle de ce que Dieu dit, de ce que Dieu annonce, de ce que Dieu proclame, on est dans le domaine du prophétique. La Bible dit l'Éternel parle, qui ne prophétiserait OK Donc lorsque Dieu parle, on est dans le domaine du prophétique. Donc ici il vient attaquer ce que Dieu avait dit. D'accord Il dit Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. La première fois qu'on voit la peur se manifester dans la vie de l'homme, suite au péché. Il dit, J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le syndrome de l'homme, toujours accuser la femme, accuser quelqu'un d'autre, ne pas assumer ses erreurs. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela La femme répondit, écoutez, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà une la première manifestation de la séduction dans l'histoire de l'humanité. C'est la séduction que le diable lui-même a orchestrée en tant qu'esprit séducteur en chef. Il l'a orchestré dans la vie de la femme et la femme a été séduite et elle a introduit également son mari dans cette séduction. Mais regardez, quel était le but du diable Le but du diable était d'amener l'homme et la femme à pécher contre Dieu suite à ce que Dieu avait dit. Donc, il va attaquer la parole que Dieu avait déclarée. Vous savez, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu vous parle, dans la parole de Dieu se trouve la substance dont vous avez besoin pour vivre, se trouve la substance dont vous avez besoin pour avancer avec Dieu, pour vous mouvoir avec Dieu. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu vous dit, contient la vie contient des ressources, contient la grâce, contient l'onction. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est rempli de la nature de Dieu. Vous comprenez ça Et lorsque le diable veut nous priver de l'accomplissement du plan de Dieu, il vient attaquer la parole que nous avons reçue. Ce n'est pas d'abord nous qui attaque. Il attaque d'abord la parole. Bien sûr, le but, c'est de nous attaquer, nous. Mais il sait qu'il ne peut pas nous attaquer efficacement s'il ne s'en prend pas à la chose la plus importante que Dieu peut nous communiquer, qui est sa parole. Et donc, il va venir remettre en question ce que Dieu avait dit. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit Dieu a-t-il réellement dit, mon ami, est-ce que tu es conscient de ce que Dieu dit à ton sujet Est-ce que tu es conscient Parce que si tu n'es pas conscient de ce que Dieu dit à ton sujet, le diable va attaquer et il va attaquer ce que Dieu a dit à ton sujet. Et la foi qui est venue dans ton cœur par rapport à ce que Dieu a dit ne pourra pas fonctionner et tu ne pourras pas entrer dans le bénéfice de la parole de Dieu pour toi. Et donc, c'est un esprit de séduction qui vient pour remettre en question ce que Dieu a dit, à défaut de pervertir ce que Dieu a dit. Vous voyez, il commence par remettre en question. Dieu a-t-il réellement dit Mais bien sûr que Dieu l'a dit. Mais il vient remettre en question. Vous comprenez ça Non, la séduction prophétique, c'est vraiment la séduction qui s'attaque à ce que Dieu a dit pour nous remettre en question ce que Dieu a dit. Et c'est aussi ce qui nous fait croire que Dieu a dit des choses qu'il n'avait pas dites. On est toujours dans la séduction prophétique parce qu'on tourne autour de la parole de Dieu ce que Dieu a dit ou n'a pas dit vous comprenez ça donc il va attaquer la femme il va l'amener sur un terrain il va l'amener sur le terrain du doute le terrain de la remise en question de ce que Dieu a dit bien-aimé ne laisse rien ni personne remettre en question ce que Dieu t'a dit à ton sujet ce que Dieu a dit au sujet de ta destinée, de ton ministère, de ton appel, de la grâce qui repose sur ta vie. Bien aimé, si tu veux savoir ce que Dieu dit à ton sujet, lis sa parole et tu verras ce qu'on appelle le Logos, la parole écrite. Et à partir du Logos, tu pourras tirer des rémas, des paroles révélées et spécifiques de Dieu concernant ta vie à un instant T es bien précis. OK? Donc, la femme va clairement dire que elle est tombée dans la séduction. Tout ça là, c'était une manœuvre de séduction pour l'amener à pécher contre Dieu en détournant ce que Dieu a dit et en lui faisant croire qu'il y avait d'autres choses dans lesquelles elle pouvait entrer si elle désobéissait aux instructions de Dieu. Vous voyez quand on veut aller toujours plus loin que ce que Dieu a dit, on s'expose à, à des conséquences qu'on n'a pas mesurées, qu'on n'est pas prêt à assumer. Il faut faire extrêmement attention. Regardez le verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela La femme répondit Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Très souvent, les gens mangent des choses les gens consomment des choses parce qu'ils ont été séduits par le serpent, par le diable. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Que tout esprit de séduction qui veut t'emmener à consommer des choses, que Dieu t'a dit de ne pas consommer, à ingurgiter des choses, que Dieu t'a dit de ne pas manger, à t'exposer à des choses où Dieu t'a dit de ne pas t'exposer à ces choses-là, de ne pas les toucher. Que tout esprit de séduction qui veut t'amener à le faire soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Voyez-vous, le but du diable, c'est amener une séparation entre Dieu et l'homme, c'est euh, maintenir. Euh, une distance entre Dieu et les hommes bien-aimés. Si vous n'avez pas encore partagé ce live, je vous invite à le faire parce que nous allons aller dans la révélation. Nous poursuivons vraiment de telle sorte que vous ne soyez pas séduits et que vous ne soyez pas induits en erreur. Beaucoup de chrétiens sont induits en erreur. Et il y a des esprits méchants qui complotent pour vous détourner de ce que Dieu a dit et vous faire croire des choses que Dieu n'a pas dit. Est-ce que vous êtes avec moi Donc, on voit ici dans Genèse 3 hein, que vraiment le diable est le premier séducteur hein, et qu'il met en œuvre des choses pour séduire. Et le diable travaille aussi avec d'autres esprits méchants qui vont agir dans cet objectif-là de séduire. Et ça, on le voit dans 1 roi chapitre 22. 1 roi chapitre 22. On va lire l'histoire. Un roi chapitre 22 à partir du verset 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant Monte à Ramoth, en Galahad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Bien aimé, l'unanimité prophétique. Est-ce que ce n'est pas magnifique, ça <laughs> Regardez ça. Tous les prophètes prophétisaient de la même manière. Ils disaient au roi, monte, à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Waouh, quelle belle prophétie. Tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole... Soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien, annonce du bien. On parle à un prophète, on lui dit, annonce du bien. Miché répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer Il lui répondit, monte. Tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit <laughs> Combien de fois me faudra-t-il te dire, me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel Écoutez maintenant la réponse. Miché répondit Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat Ne te l'ai-je pas dit Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait autour de lui, auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: Moi, je le séduirai. Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu séduiras, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Waouh. Ça, c'est une histoire qui est incroyable. Quand vous lisez 1 roi chapitre 22, vous voyez qu'il n'y avait pas de guerre. On vous dit qu'il n'y avait pas de guerre entre la Syrie et Israël. Et le roi, la troisième année, Josaphat, le roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Et donc, il est venu pour chercher un renfort afin d'attaquer. Quand vous lisez hein, le, chapitre, le verset 3, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramon galad est à nous et nous ne... Nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Donc, il voulait se mettre dans une conquête. Voyez-vous, il y a des conquêtes ambitieuses dans lesquelles nous voulons parfois nous positionner, mais nous ne savons pas que nous sommes sur le chemin de notre destruction. Nous ne savons pas qu'il y a une porte qui est ouverte pour que l'on périsse. Et ce qui se passe dans le monde naturel. Le, la conséquence des réalités spirituelles. Sachez que le monde naturel répond au monde spirituel. Il se passe des choses dans le monde spirituel en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée. Et dans ce cas, l'Éternel a voulu sanctionner ce roi. D'accord Ce que le roi ne savait pas, c'est qu'il y a un décret qui voulait le faire périr, parce qu'il avait péché contre Dieu, il avait fait pécher le peuple de Dieu, il s'était enorgueilli et Dieu voulait le sanctionner. Et c'est pourquoi il y a cette manipulation, cette séduction qui va se mettre en œuvre. Vous comprenez ça Et tous les prophètes vont commencer à prophétiser au roi. Le roi va donc interroger euh, les prophètes. Pour savoir est-ce que je dois aller en guerre pour, pour, pour euh, reprendre donc ce territoire qui m'appartient et les prophètes vont prophétiser, mais sous l'influence d'un esprit de séduction, bien aimé. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas comme ces prophètes, dans la bouche desquels c'est l'esprit de séduction qui parle pour induire les gens en erreur et les amener à leur propre destruction. Vous comprenez ça? il y a cette destruction qui était programmée et les prophètes ont été séduits et l'esprit de mensonge est entré dans leur bouche pour qu'ils puissent lui dire d'aller combattre alors qu'il ne fallait pas du tout qu'il aille combattre donc vous comprenez que il y a une réalité spirituelle qui est au dessus de ce que nous pouvons imaginer et c'est le prophète Michée. Qui a, été, euh, qui a révélé ce complot. Voyez-vous, Miché était taxé d'un mauvais prophète parce qu'il ne disait jamais rien de bon. Bien aimé, il vaut mieux qu'on vous dise la vérité pour votre bien, pour votre vie, plutôt qu'on vous dise des mensonges qui vont vous amener à votre destruction. Vous comprenez ça C'est la vérité qui a franchi. Euh, et donc, nous voyons que Miché, quand il va arriver, déjà, le soldat qui va le chercher va le briefer pour dire Toi, 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 toi on te connaît, toi. Hein? Avec tes prophéties bizarres, là, on te connaît. Tous les autres prophètes sont en train de dire au roi qu'il faut qu'il aille et qu'il aura le succès. C'est une belle prophétie, n'est-ce pas C'est une bonne prophétie, donc ne va pas dire autre chose. Vous voyez la manipulation des hommes. Mais tout ça, c'était l'esprit de séduction qui était non seulement dans la bouche des prophètes, mais qui voulait intimider euh, Miché pour, pour ne pas qu'il dise. La vérité. Et lorsque miché va arriver, eh bien, il va jouer le jeu, mais il va tellement mal jouer le jeu que le roi va savoir que lui, il est en train de mentir. <laughs> lui, ça ne lui ressemble pas de dire des choses comme ça. Comprenez ça Et miché dit Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur un trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. L'Éternel dit. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galahad et qu'il y périsse Bien-aimé, la séduction veut t'amener à ta destruction. Ne laisse pas un esprit de séduction autour de toi. Ne laisse pas la séduction te faire sortir du chemin du Seigneur. Parce que le but, c'est de te détruire. La Bible dit, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'agenda du diable est clair. Commence par dérober, égorger, mais le but c'est de détruire. C'est ça la finalité, c'est qu'il n'existe plus aucune trace de ton passage. Vous comprenez ça nous ne devons pas être naïfs. Il y a des enjeux spirituels autour de notre destinée et nous devons avoir les yeux spirituels ouverts. Nous devons être avisés. Vous comprenez ça Je prie au nom de Jésus que tu aies un esprit avisé et que tu ne sois pas saisi d'un esprit de séduction, un esprit d'erreur. Qui séduira Akab, etc. Et un esprit vint se présenter. Vous voyez, ça, c'est un esprit de séduction. Qui dit Moi, je le séduirai. Donc, je veux entrer dans la séduction et, et, et je vais le séduire. L'éternel dit Comment tu vas procéder Il dit Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'éternel dit Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Vous imaginez ça Waouh Voilà quelqu'un qui va donc être exposé à un esprit de séduction dans le but qu'il soit détruit parce qu'il ne veut pas écouter la parole de l'Éternel. Mais Dieu a quand même envoyé un prophète pour le prévenir. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Regardez la suite. Alors Cédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Miché sur la joue. Il a giflé. Bah Imaginez la scène. Bagarre entre deux prophètes. Qu'est-ce qui se passe Oh, il y a un prophète qui s'est fait gifler. Ça allait déjà faire la, la une des journaux. Ça allait être sur Facebook, Instagram et tout ça. Gifle. Le prophète Kenana a giflé le prophète Miché. Le prophète Sédécias a giflé Miché. Vous imaginez Donc il le gifle et il lui dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler Vous imaginez Ce gars était vraiment gonflé. Hein? <laughs> Miché répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Miché et amène-le vers mon chef de la ville, et vers jo Joas, euh, fils du roi. Et tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michel lui dit, si tu reviens en paix, l'éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez, le roi d'Israël, Josaphat, le roi de mon vous voyez, il prend le peuple à témoin. Vous comprenez ça Et vous savez que ce roi a été tué, malheureusement, parce qu'il n'a pas écouté. Le conseil, il n'a pas écouté la parole prophétique. Bien aimé, nous devons avoir suffisamment de discernement pour identifier les prophéties. Vous savez, la Bible dit que nous ne devons pas faire foi à tout esprit, mais que nous devons euh, sonder les esprits, nous devons examiner. Euh, il y a des prophéties que vous pouvez recevoir qui sont de Dieu, mais qui ont un pour qu'elle s'accomplisse, il y a un timing associé. D'accord Donc la prophétie peut être vraie, mais le temps de l'accomplissement peut être différent. Et si vous vous trompez là-dessus, vous, vous allez passer à côté, vous allez vous casser la figure, vous allez vous faire très mal. Il faut faire extrêmement attention. La Bible dit que nous ne devons pas mépriser les prophéties, mais nous devons les analyser, nous devons les éprouver, nous devons les juger. Regardez, Quelqu'un ne peut pas vous imposer une prophétie. Vous ne pouvez pas vous imposer en tant que prophète ou, ou en tant qu'ayant été inspiré de Dieu et vous voulez imposer votre prophétie. Non, la prophétie, vous devez la donner et laisser à la personne la, 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 comment, la liberté de juger cette prophétie. Est-ce qu'elle est pertinente ou pas Est-ce qu'elle est conforme ou pas Est-ce que vous m'entendez Il y a eu beaucoup de personnes... Qui ont été induits en erreur, notamment les prophéties de tel est ton mari, Dieu m'a dit que tel est ta femme. Évitez ça! Beaucoup de gens se trompent et sont séduits et vont créer des foyers sur la base d'une prophétie. Eh bien, vous allez, si tu t'es marié par prophétie, eh bien, tu vas divorcer par prophétie également. Faites extrêmement attention avec ça. Ne jouez pas avec le feu. Nous ne devons pas mépriser les prophéties ou mépriser ceux qui prophétisent, mais nous devons analyser et avoir de la distance. Est-ce que vous comprenez ça Bien-aimés, je vous donne des clés importantes qui vont vous aider à aller loin avec Dieu, qui vont vous aider à ne pas tomber dans des erreurs qui peuvent vous coûter très cher, qui peuvent vous faire très mal. D'accord Il y a des prophéties euh, qui vont vous amener à, à vous détourner de votre église locale, de vous détourner de votre homme, de votre femme, de Dieu, de vous détourner d'une relation qui est voulue par Dieu, mais que vous devez construire et amener à maturité. Nous devons avoir la sagesse et nous devons avoir le discernement, parce que les esprits de séduction vont entrer et vont se déguiser en esprits de prophétie. Pour nous faire croire que cela vient de Dieu. Vous vous rappelez de la fille qui avait dit dans acte 16 que l'apôtre Paul était un véritable serviteur de Dieu. C'était vrai, mais l'esprit par lequel elle le disait, c'était un esprit de python, c'était un esprit de séduction. Est-ce que vous comprenez ça Il a fallu que l'apôtre Paul prenne autorité et chasse cet esprit pour que la jeune fille puisse être libre. Est-ce que vous comprenez Donc, la séduction prophétique est vraiment une des choses les plus répandues. Dans, pardon, dans le corps de Christ, et nous devons avoir la sagesse. Et l'une des clés importantes, bien aimé, c'est la couverture spirituelle sous laquelle vous êtes. Parce que vous devez non seulement avoir le sens exercé au discernement du bien et du mal pour pouvoir juger des prophéties, mais vous devez aussi avoir une autorité spirituelle sous laquelle vous êtes et qui est aussi bien placée pour vous aider dans le discernement de ce qui vient ou pas de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous conduiront. » Vous comprenez ça Donc, le rôle d'un berger, c'est de conduire le, la brebis du Seigneur sur le chemin de sa destinée. Nous avons des outils pour juger et pour discerner euh, ce que vous croyez avoir reçu de Dieu. Donc, et si vous avez une parole prophétique, N'hésitez pas à vous rapprocher de vos hommes de Dieu, de vos leaders, de vos responsables et de pouvoir l'examiner, ok, à la lumière de la grâce et de la sagesse que Dieu leur a donnée également. C'est pour notre protection. Est-ce que vous comprenez ça Il y a beaucoup de gens et on, le parle, on en parlera la prochaine fois euh, la séduction par rapport au ministère, d'accord Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent créer leur ministère. Parce qu'ils ont un appel, parce qu'ils voient une onction se manifester dans leur vie, il y a un feu qui les presse, et du coup, ils pensent que c'est le moment. Et là, tu, les esprits de séduction agissent, on le verra la prochaine fois, ils agissent beaucoup pour, pour amener des gens dans des voies prématurées, d'accord Et amener les gens à s'engouffrer dans des combats prématurés, des combats inutiles qui vont les fatiguer avant le temps, qui vont les faire sortir. De la, de, de la volonté de Dieu et qui vont épuiser euh, euh, les épuiser spirituellement, moralement, à tous les niveaux et réduire le rayonnement de la gloire dans lequel ils sont censés opérer. Que l'Esprit de Dieu puisse vraiment vous donner le discernement, vous donner la sagesse, euh, vous donner la grâce de pouvoir être aussi sous une couverture spirituelle qui vous permette d'éviter de tomber dans les erreurs de l'Esprit. De séduction prophétique. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. On se dit à la semaine prochaine pour la suite de Neutraliser les esprits de séduction. Ciao, bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons que vous avez été béni. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram et les de Lyon ou alors nous envoyer un mail à contact à Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur, sur lyon